Et bonjour, ce beau dimanche de décembre, nous allons jouer au randomiseur de Pokémon. Donc je vais rappeler les règles très rapidement. Tout a été randomisé, mis à part les types et les types des Pokémon et des moves. En fait, je devrais vous rappeler plutôt ce qui a été randomisé. Donc les Pokémon qui sont en catch 'em all mode, ça veut dire que j'ai toujours un endroit au minimum où je peux trouver un Pokémon. Leur moveset a été randomisé. Les noms des dresseurs ont été randomisés. Leur team aussi a été randomisé. Leurs niveaux sont les mêmes. Les CT sont randomisés, excepté les field moves, comme par exemple Doux Parfum ou Tunnel. Catch rate est à 80% dans le rouge, 40% pour les légendaires. Les starters avaient été randomisés et je suis tombé sur Typhlosion, qui est complètement pourri, on verra, je vous montrerai. Une règle que je me suis mis moi-même, c'est que j'ai pas le droit de regarder où sont les légendaires dans le Pokédex si j'en croise un. Par exemple, je sais que j'ai vu Mewtwo au tout début du jeu, et je sais toujours pas où il est. J'ai pas regardé, j'en ai absolument rien à faire. Donc, si j'attrape un légendaire, c'est carrément par hasard, j'ai envie de dire. C'est pas, il y a rien de plus. Voilà, c'est par hasard. Donc, nous y voici. Mon replay buffer est pas parti. Moi, bon, je regarde ça. Ah, j'ai oublié de faire Alt 5, je crois. J'ai cliqué sur le bouton, c'est pour ça. Ouais. Ouais, ça, si j'ai un clip à faire, ça s'en fait. Et donc, on en était ici exactement où j'avais chargé une save state, malheureusement. Sans le faire exprès, mon clavier était à côté de moi par terre et j'ai dû appuyer sur F1. Voici notre équipe. Alors, les levels sont légèrement différents, mais sont grosso modo les mêmes. Je crois que Typhlosion a besoin de quelques levels pour être au même niveau qu'il était la dernière fois. Alors, on va le mettre devant. Donc, je vais vous présenter l'équipe comme je fais à peu près chaque début de stream. Typhlosion, hein, notre starter, qui est pas terrible du tout. Il vient d'apprendre l'étincelle, qui est pas trop mauvais. C'est un move spécial en première génération. Il y a Spore qui est bien aussi pour pouvoir switch gratuitement. Après, les deux autres moves sont physiques, donc ils sont pas extraordinairement bons pour lui, malheureusement. Nous avons l'énergie avec Glace Soin qui pourrait être utile. Point Éclair qui est son stab move qui fait énormément de dégâts. Chargeos qui est une attaque de type sol qui est multi-tour, qui fait des dégâts aussi mais qui se base sur le physique. Sauf que l'énergie n'a pas de physique, donc bon voilà. Et Cage Éclair qui est utile aussi pour pouvoir ralentir le Pokémon adverse et potentiellement l'empêcher d'attaquer également. On a Lucas qui avait Laser Glass Tonnerre de base et ensuite a pris Feinte et je lui ai appris Surf. Du coup, il y a Laser Glass et Surf qui sont, si on exempte Hydrocanon et Blizzard, les deux seuls moves qui sont vraiment très puissants sur lui. Tonnerre est là très très bon pour le coverage au cas où. Et Feinte, pour l'instant, est là sous survie, mais voilà. Draco, je lui ai appris Masse d'Os, comme je lui avais appris la dernière fois sur le stream. Il a Mach Punch, Triple Attaque et Balayage qui sont pas trop mauvais. Il faudrait que je lui enlève Triple Attaque et que je trouve quelque chose à lui enseigner, potentiellement un move de type dragon si possible, ce serait bien. Plutôt bon, j'ai pas grand chose à dire. Mentalieu avec Fatal Foudre et Rafale Psy que j'ai récupéré la dernière fois. Alors Fatal Foudre est pas précis du tout, ce qui m'ennuie un petit peu. Rafale Psy c'est son stab pour le moment si je trouve pas Psycho à un moment un peu aléatoire ou s'il n'apprend pas Psycho tout seul. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Coup de boule que de fer pour le restant du moveset, sachant que c'est pas quelqu'un qui est, c'est pas un Pokémon physique. C'est deux moves qu'il a pas besoin réellement.
Raichu, qui est né d'un 9, donc au niveau 5, qui a Sport Bomber, qui est coup de boue, il n'a pas de quatrième attaque pour l'instant, parce qu'il n'a pas de quatrième attaque, et il n'a pas appris quoi que ce soit pour l'instant. Qui est plutôt un mix attaque en termes de vitesse, donc Bomber qui est coup de boule lui vont très bien. S'il pouvait prendre un move de type électrique, ça serait encore mieux. Et c'était le dernier de l'équipe. Donc on en était à la Team Rocket qui fait des misères au Magikarp, comme d'habitude. Et on cherchait le deuxième mot de passe. Parce qu'on avait déjà eu un. Donc, voilà. Et donc, s'il y a du monde sur le chat, comment va votre week-end, messieurs, dames? Bon, ça va. J'ai fait quelques courses de Noël hier. Je retournerai dans la semaine pour aller chercher d'autres trucs un peu moins chers. Et aussi me faire mon cadeau à moi, et puis cadeau pour le restant de ma famille, et plein des cadeaux pour d'autres personnes à ma famille. Mon cadeau à moi, ce sera de changer ma chaise, parce qu'elle me donne mal au dos, la mienne. Elle est toute cassée, et c'est un peu dommage. Rien à dire. Mais ouais, je vais chercher cette magnifique chaise de bureau. Probablement... ou à Leclerc, à l'espace culturel de Leclerc, ou à Darty, ou quelque chose comme ça, s'il y a. Hé, golem. Oh non, sérieux? Et donc, ouais, il va chercher la chaise, et puis je la montrerai moi, et puis on aurait pouvoir streamer normalement. À partir de lundi, à partir du moment où j'irai chercher la chaise, donc mercredi, j'aurai pas à râler tout le temps, à dire aïe, j'ai mal au dos. Ce qui est bien dommage d'ailleurs, pendant que je stream, hein, de me dire putain, je suis sur ma chaise, je suis sur ma chaise, mais c'est pas confortable du tout, j'ai mal au dos. Non. Oh. What a switch. Ce qui est bien, c'est que l'adversaire est tellement nul, et même en pleurs 10 m'a fait 3 dégâts, quoi. Enfin... il arrive de mon switch. Je sais pas si c'était de la chance ou pas. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'à te 10, ça sert à rien sans les deux autres. Et vu qu'on va aller dans la salle du chef, on a besoin d'un seul que de deux mots de passe. Donc quand elle te dit ça sert à rien sans les deux autres, et ben elle se plante, il en faut qu'un de plus. Donc moi j'allais me soigner au centre Poké, parce que j'ai besoin de déparalyser mon Typhlosion, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et bon voilà. Après, je vais vous montrer ce qu'on a attrapé entre temps. Alors, faut savoir que la dernière fois en stream, on avait attrapé un Salamèche. Et que là j'en ai KO 1 malheureusement. J'ai pas réussi à l'attraper la dernière fois que je l'ai croisé. Donc bah, voilà, c'est une des différences qu'on aura pour le reste de la partie, c'est qu'on n'a pas Salamèche. Il est dans le Pokédex, donc on sait où il est, mais voilà. On n'aura pas Salamèche pour toute la partie, malheureusement. Je sais pas si vous voyez l'interface de l'émulateur, mais en bas il n'y a plus une seule save state. J'ai tout supprimé exprès pour éviter les erreurs. Ça m'avait un peu saoulé la dernière fois de devoir tout recommencer. J'ai dû tout faire en x2. Et en vitesse x2, parce que j'allais pas attendre 10 ans. Hein. Du coup, j'ai tout refait en vitesse x2 la dernière fois. Il y a eu des petites choses différentes avec en bas. Notamment, j'ai vu des attaques. Je savais, dont je savais pas les
que je... Bref, que j'avais pas vu avant. C'est vrai que je regrette de pas avoir de type feu, réellement. Si je pouvais avoir ne serait-ce que... je l'ai en anglais, mais... Enfin bref, lance-flamme. C'est pas lance-flamme que je voulais dire, mais... Même roue de feu serait intéressant, là, tout de suite. Ça aiderait pas mal. Mais bon. Donc là, il me reste deux, je crois, batailles, celle-là et l'autre d'après. Mes souvenirs sont bons. Donc en gros, j'ai bien fait de soigner mon Pokémon. Enfin, mes Pokémon sont de Pokémon, ça m'a permis de restaurer les PP, d'enlever la paralysie et de le remettre leur PV à fond. Ça a pas mal aidé, surtout sur la séquence, là. Voilà. Et on verra ce que les électrodes nous réservent, parce que les électrodes ne seront pas des électrodes. Forcément, c'est un randomizer, ça serait pas drôle s'ils étaient des électrodes. Donc on verra ce qu'ils nous réservent. Après, je dis qu'ils sont pas des électrodes, mais ça peut en... il peut y en avoir un qui est un électrode. Ça serait vraiment étrange que le randomizer en ait mis 3 sur 3. Mais bon. En sachant que la dernière fois, Typhlosion était niveau 26 et on n'a pas vu de type feu, on n'a pas vu de move de type feu pour avant ni après. Donc, je préférerais 10 fois pied voltige à le balayage, mais bon. Alors du coup, qui peut me passer ça là? Les voltiges pas low class en deux gars. Ça fait quand même mal. Waouh. Voilà où il y a un feu. Let's go. Thank you.
Let's go. Ça va me permettre de switch direct, mais je peux aussi faire ça. Let's go! Évidemment, hydrocanon, magnifique. Comme toujours. L'adversaire a toujours un move pour me coincer. Sur glace, on a fini le combat. Wouhou. We win. Too easy. Ok, let's go. Who is first? Eh? You won. Juste les chaos, ça fera de l'XP. Bon, à moins que j'en trouve un intéressant. Je sais pas, Mewtwo. Ça peut arriver. Ou un Shiny sans le faire exprès. J'ai pas perdu le cri. Et le troisième est un magnétique. Donc, ça n'est pas intéressant. Thank you.
Non, vous pouvez pas lui parler. Le monsieur vous bloque là. Même si vous finissez l'arène, vous pouvez pas passer. Ce qui est malheureux, mais. Bon. Mais ça, on va lui faire de l'autre côté. Ah bah, donc pour l'instant. Oh cool, la meilleure arène du monde. Mais encore une fois, on va faire tous les dresseurs. Hein, ça... Bref, on va pouvoir faire mais... des XP comme ça, mesdames et messieurs. Eh oui. Niveau 28, je suis peut-être un peu bas. Ce serait rigolo qu'il se fasse paralyser le prochain tour. Ou que ce soit déjà KO. Alors. C'est dommage. On va être un peu juste pour la range, je crois. Niveau 24, ça va être un peu long, un peu bas. Tiens, elle a dévolé juste avant. Pourquoi pas? Fais-moi envoyer quelqu'un qui a une attaque super efficace. Bon, il joue à sport, tu vas me dire, mais bon. Oui. Hypercut. Il est l'heure de la crabe rave, mesdames et messieurs. Ah, mes notes d'échec sont tombées. C'est vrai. Est-ce qu'avec Rugissement, c'est un range? Non. God damn it. Yeah. Ok. En petit dragon, petit place. Et on est bon. On est d'accord tous les deux. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont tous à me contrer tout le temps? Ah, c'est pas vrai. Mais tous, c'est pas le premier qui fait ça. Tous. Alors, il m'a tué le premier avec un truc super efficace, il va me tuer le deuxième avec un autre truc super efficace sur celui-là. Tu peux deviner si j'envoie l'autre là, c'est ta Fatal Foudre. Ah, il a Dracosouffle. Bon, il doit pas avoir de truc super efficace, sinon il attaquerait avec ça.
Ah, même pas mon réacteur qui était pro bas. Let's go. Ah, je voulais faire toutes les reines sans me soigner, mais bon, pas possible. Alors à noter aussi, j'ai pas vol encore. Hein. Je suis allé là directement, donc. Non, faudra faire le chemin retour, mais bon. Ok. Aïe, aïe, aïe. Ok, il y a un séisme. Même si le classe est pas trop bon en physique, il a faim, t'auras à pouvoir au moins faire des dégâts super efficaces. C'est un 4 coups, un 4 hit. Moi, on a potentiel crit, le chanceux, mais bon. J'y crois pas trop. Hein? Alors on a de la chance, il dort pendant un long moment. Je tiens pas à savoir ce qu'il a, donc si on pouvait le mettre KO, ouais. Bon, ça, ça va. C'est un peu plus gérable déjà. Ça sera un 3 coups parce que j'ai récupéré un PV. Ah, la boîte à critique. Le qui crit. Même pas un coup critique, donc non, c'était un 2 hit de toute manière. C'est Raichu qu'il faudrait ça. Parce qu'il est mix, donc on pourrait imaginer un Raichu avec genre Machouille, c'est randomizer. Un Raichu avec Machouille, il faudrait faire le taf. Ouh, pic. Ok. Ah, le classe est en train de prendre tous les points d'XP, ce qui est dommage. Faudrait qu'il se calme un petit peu. Il faudrait que j'arrive à faire en sorte que mes pokés... Que les autres Poké arrivent à se faire de l'XP parce que le classe c'est bien, mais on peut avoir les autres Poké autour qui ont de l'XP. Ah lol. Ouais si. Un coup critique qui sert à rien. C'est longtemps qu'on n'a pas vu un Mewtwo. Bon, le dernier qu'on avait vu, c'était le premier dresseur qu'il avait, il était niveau 3.
On peut essayer bientôt pas avoir séisme. C'est intéressant. Très très intéressant de savoir ça. Alors, on va éviter le classe, ça serait bien. Jusqu'où on va aller? On va faire ce badge là et on va essayer de faire les deux autres badges avant d'arrêter. Mais il est possible que ça ne marche pas, qu'on passe pas encore. Je sais pas depuis combien de temps on est sur le stream. Il va y en avoir pour 2h30, hein. Sujet de rayer le classe, il n'y a pas d'autres attaques que de type pro, je crois, qui sont super efficaces contre lui. Malheureusement. Mais bon, j'aurais envoyé Draco pour faire du pex. Un peu. Pour avoir quelques points d'XP. Sur Draco. Et voilà. Et soigner pour le champion, c'est ce que j'avais prévu de base. Soigner pour El Champion of the Arena. Après, il faudra qu'on fasse demi-tour. On aille à Rosalia et qu'on aille du côté d'Olyville. Pour récupérer vol avec Chuck. Il faudra battre Chuck. Ne pas oublier en route force qu'on aura besoin pour finir l'arène. Et puis voilà. Le scout, jamais, parce qu'on peut peut-être envoyer Mentali dessus, pour lui faire faire l'XP un petit peu. Hein, nigotage? Ouais. Draco souffle, donc on évite Draco déjà pour commencer. J'allais l'endormir, mais je vais pas pouvoir. À moins que la paralysie trigger pas, ça serait intéressant. Allez, une chance sur 4. Voilà, merci. Je rappelle que Mentali niveau 21, Routier niveau 27 en face. C'est pour ça que je préfère l'endormir, comme ça, même si je suis plus lent, il m'attaquera pas. Alors on peut rester. Ok. Ah, miss. Si Montalier pouvait se débarrasser du roux carnage, j'aurais pas mal d'XP, mais... Est-ce que c'est parce que je suis une range? C'était le cas. Ah, j'allais dire le seul qui a des attaques super efficaces, c'est... perdu son nom. Ah, me dis pas que je suis en in-range pour ça. What? Ah. Ah, c'est possible que c'était le cas, mais... Bon, bah tant pis. Encore prendre la part du lion, hein. J'ai pas de rappel. Et j'ai pas le droit aux objets pendant les bagarres, pendant les combats.
C'est vrai que laser gas aurait peut-être fait plus, plus de dégâts. Possible. Ah, 1141. Oh, t'es tellement bon. Oh, il y a en plus ça derrière. Waouh. Mais. Ah. Il y aurait plus de puissance. Bon, moins de précision parce que fin, c'est de s'arrêter pas, mais. On va me dire que c'est je sais plus quoi. Vent glacé, je crois, mais ça sera pas vent glacé. Mais c'était étant toute random. Et ça se trouve, j'ai lance-flamme dans mon sac. Maintenant. Ah, ça m'ennuie que Mortali ait raté deux fois Fatal Foudre, quoi. Mais bon. Ça arrive. Sachant que Fatal Foudre n'est pas 100% précis. On est parti. De l'autre côté maintenant. Oh, non, pas le classe, pas encore. Merde. Première fois, j'aimerais bien que certains de mes pokés aient de l'XP, quoi, sérieux. À un moment, arrêtez les bêtises. Évidemment, tu vas pas le rater celui-là. Pas un combat important avec de l'XP à gogo, tu vas pas le rater. Il avait 1000 points d'XP tout à l'heure à se faire et il a raté. Ouais. Mm-hmm.
Miss double mix. Nope. À chaque fois qu'il va y avoir l'XP en jeu. Évidemment, c'est un range. Surprenant. Ah vraiment. Hop.
Pas mal. On peut le tenter. Je crois pas que j'ai beaucoup de Pokéball. Eh! Évidemment, je misse encore. Ouais. Oui, j'oublie toujours que j'ai le vélo. Oups. C'est vrai. Ah, Bulldo, ah, ça peut être intéressant. On va le garder. Le reste, on peut peut-être le vendre. Les 4 on va le garder au cas où. Nous, j'ai pas besoin. J'ai 2 fois sport, donc ça va. Ouais, je pense que le reste, on va le virer. Voilà, on est à peu près vide. Acheter des Super Balls, juste au cas où. En vente 30. Des Hyper Potions. On prend une vingtaine pour l'instant. Est-ce qu'il y a des rappels? Non, il y a des repousses, mais bon, les repousses, j'en veux pas. Tu sais quoi? Quelques Super Balls de plus et. Exactement 11 hyper potions, parfait. Voilà. Maintenant, on va aller se soigner. On va récupérer force, vite fait, dans le resto à côté du centre Pokémon.
On va la prendre à quelqu'un, je sais pas à qui encore. Et puis on va aller bah, à Richu parce qu'il lui reste un slot. Ce serait pas stupide de lui donner ça. Stocker quelques objets qui pourraient être utiles comme ça. Ça. Bon, l'évolutor, j'en ai pas besoin. J'aurais pu le vendre. Ouais, le jus de baie, parce que j'en ai qu'une seule. Ok. Alors, ranger un peu le sac aussi. Oups, pardon. L'évoluteur, ça sera à vendre. Je vais vendre l'anti-brûle aussi parce que pour l'instant, je m'en fiche. On y va. Allez, je vais chercher force. Ouais, ça n'a quelqu'un qui peut faire force. Allez, et j'oublie encore que j'ai le vélo. Let's go. Il me reste 3-4 dresseurs en haut, le phare, la reine de Chuck, le combat contre Jasmine, on est bon. Janine, Jasmine. Donc, pour aujourd'hui, on aura fait pas mal de choses. Donc j'espère que la prochaine fois on pourra au moins finir la partie Johto du jeu, ça sera intéressant. Alors j'ai une fois, il restait quoi? La Team Rocket. Dernière arène et la route pour aller au Conseil des 4. Ça va faire long, mais en même temps, il va rien y avoir d'intéressant réellement. Il va y avoir beaucoup de combats. Il va pas y avoir grand chose de vraiment intéressant. Donc on verra. Ah, évidemment. Pas grave, j'applique j'attaque sur spécial, mais. Priorité. Mais bon, voilà.
Tool, but ok. How about I say no? Voilà. Une fois de temps en temps. On va passer un switch juste après. Et voilà quoi. Bon, d'accord. Allez, on attaque le phare, mesdames et messieurs. Le phare. On va vider tous les dresseurs du phare. Et on va faire du pex. Donc, niveau 25, peut-être pouvoir swap le lead. On va finir l'étage, j'ai encore un combat. On finit cet étage là, il doit être à 26. Et après on pourra swap le lead. Miss. I knew it. Et voilà, je peux swap le lead. 26, ça devrait aller. L'énergie Draco sans retard. Oh oui, je sais, il y a le multi-exp d'habitude. Enfin, d'habitude. On peut l'avoir, hein, on a eu l'écaille rouge. Il faudrait retourner chez Monsieur Pokémon, c'est long. Donc. Pour l'instant, je pex normalement. On aura 2 minutes. J'irai pex. En mode, je m'en fiche, j'ai le multi-exp. Juste avant le conseil des 4, en fait, on va l'attraper. Parce qu'il faut retourner à. À. Comment ça s'appelle ? Un bourgeon pour aller au conseil des 4. C'est sur la route. Enfin, c'est sur la route. Non, on n'ira pas à pied. Mais. On va partir de Mauville pour aller à Bourgeon, ce sera très bien.
Jupi. Il n'y a pas besoin de l'endormir logiquement pour Switch, c'est juste pour éviter qu'il m'attaque. Hein. Je l'endors comme ça, il me laisse tranquille. Enfin, quand je peux. Je l'endors et comme ça, il me fiche la paix sur le Switch. Il m'attaque pas et j'ai moins de problèmes. Vous avez sans doute remarqué que je jouais pas en Switch non plus. Bah oui, sinon c'est pas drôle. On sait ce qui arrive et puis envoyer la faiblesse en conséquence. C'est pas très 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 drôle, je trouve. Ouh. Toxico, toxique. J'ai que la guérison, tant pis. On va enlever ça. Des dégâts de gratte avec son gros Mach Punch. Intéressant de voir ça. Webster Rich Boy. Non, c'est une fille. Pourquoi il s'appelle Rich Boy? Bonjour. Alors, c'est pas la bonne route. Mais. De l'XP, alors ouais, j'ai l'XP. Énergie, qu'est-ce que t'es lent? Vivement que t'évolues, que tu sois plus trop lent. Ok. Oh, oui. D'accord. Désolé, Raichu, mais. What? Pas très rigolo que je fasse KGK avant de Switch. Ça se trouve, il aurait raté son truc. Hé hé! Quel billet! C'était 44.
Hop, I plus ion. Point éclair. Bye. Et niveau 25. On va continuer. Non, on va pas continuer. On peut pas. J'ai personne qui... Waouh. J'ai gare que low class. Il y a laser glass qui pourrait lui faire des gros dégâts, quoi. Ça, sinon, j'ai personne qui a une attaque de type feu, vol ou glace. Ou spectre. Donc oui, effectivement, notre coco, il est un peu dangereux. Fort heureusement, j'ai low class avec laser glass, mais bon. Ah, ok. Pratiquement tous ces avoirs croisés, je crois qu'il me manque Raikou, Suicune. Est-ce que j'ai croisé Lector? Je crois pas. Je sais plus si j'ai croisé les Articodins. Il m'en manque 4, je crois. On va regarder. Il m'en manque 4, je crois, dans le Pokédex encore. De l'argent. Alors. Des sous. Bien ça. Donc, voilà, on va continuer tranquillement. Gigacorn. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde dans l'océan aussi, faut pas oublier. J'ai eu Bulldo en CT aussi. Bon, ça changera pas grand chose. Parce qu'à la limite, à la place de Chargeos, en fait, c'est bon. Let's go! Il faudra remonter après. Mais bon, il n'y aura plus personne à battre, donc c'est bon. Germignon explosion, lol. Miss. Évidemment. Qu'est-ce qu'il espère faire avec ça, me paraît-il ? Et sur le dernier combat, l'énergie monte au niveau 26, parfait. On va pouvoir le swap, encore que. Ouais, si, on va pouvoir le swap pour l'entraîner. Mais là, tout de suite, ça sert à rien de swap parce que. C'est un single attack kill, donc c'est bon. Miracle! Pardon. Une lune bol. Attraper Rondedou. Bon, pas que Rondedou, mais. Y a pas d'autres objets. Ok, cool. Oh, j'ai plus rien à ramasser, donc on peut. On descend rapidement.
On va se soigner, puis on file à Irisia chercher et la potion, et le badge, et vol. Je crois qu'on aura juste le temps d'attraper vol. Quoi qu'après, il y a juste l'ascension du phare. Et un combat, ouais. Ah, on va voir si on a le temps de faire les deux arènes l'une derrière l'autre. Hein. Là, tout de suite, on a deux têtes comme ça, on a encore un peu de temps. Hein. On arrive au bout. Parce qu'évidemment, je vais m'arrêter à tous les dresseurs. Hein. Donc, il faut que je sois entre. Il faut que mes Pokémon s'entraînent quand même un minimum. J'ai l'arène qui arrive est à niveau 30 hein, quand même. C'est pas rien. Ouais. Griffe. Et science. Oh oh. Cool, niveau 23. Eevee. Balayage. Ok. C'est bon à savoir. Bon à savoir que si je veux un Mentali avec Psycho, j'ai juste à attraper un Evoli et le mettre au niveau 20. Et le faire évoluer de jour. Sachant que pour l'instant, à chaque fois que je joue, je suis de nuit. Ça pratique. Ça peut aider. Pourquoi je fais ça? Si, remarque 62, ça baisse. Ah oui, ce que je voulais regarder, c'était les Pokémon légendaires qu'on a vus. Rapidement, j'ai juste regardé le Pokédex, hein, juste la liste. Voir qui nous manque à voir. Ah bah on a les trois oiseaux, c'est parfait. On a Mewtwo et Mew, sachant que Mew, je l'ai croisé par hasard et j'ai attrapé en plus. Donc, je crois qu'il nous manque que Lugia. J'avais complètement zappé. Ok. Raikou et Suicune et Lugia. Ok. Pas trop mal, hein, on a vu à peu près tout le monde. Encore une fois, je le rappelle, je l'ai dit au début du stream. Mais si vous attrapez le stream ou la vidéo en cours de route, je regarde pas l'endroit où les Pokémon légendaires sont. Je les attrape si je les croise, mais c'est tout. Ouf, un stab move, ça c'est pas très bon. Ça. C'est pas le meilleur du monde, mais ça peut être dangereux. Genre qu'en plus j'ai Foilian et on pouvait croiser Celebi par hasard. Intéressant. Choc mental Foilian. Ça va être pas mal. Je suis en train de chercher les dresseurs, je sais plus où est-ce qu'ils sont. Donc, c'est aussi pour ça que je me demandais si on aura le temps. C'est que j'ai essayé de faire un maximum de dresseurs sur la route. Pour faire de l'XP et pour faire monter les Pokémon. Donc avec un peu de malchance, on n'aura pas forcément le temps. Donc voilà. J'ai encore à peu près une heure. Hein. Quel temps. Mais non. Ah ah.
Mais je sais pas si on aura le temps, on va voir. Niveau 24. Esteban Yogler. Un qu'on n'avait pas encore vu. À pas risquer. Ok. Ça pique un peu quand même. Pour un crit, normal que ça pique. Il rigole pas beaucoup l'adversaire quand même. Hein. Pour toi, j'ai rien. Pour toi, on va être obligé d'envoyer quelqu'un qui a quelque chose. Style bah, l'énergie, vu que pratiquement tout le monde est au même niveau maintenant, c'est bon. Juste essayer d'esquiver le classe le plus possible pour l'instant. Quitte à justement faire apprendre Bulldo à quelqu'un d'autre pour qu'il ait Bulldo ou Surf hein. Pour qu'il ait une attaque de type O. Je sais pas qui on pourrait faire apprendre ça, mais un Raichu ça pourrait être pas mal. Surf, ça pourrait être sympa. Clin d'œil au Pikachu Surfer, mais bon. Le crit à la fin qui sauve tout. Un peu d'XP. Aucun mérite. x2 pour la faiblesse, plus stab. Même sans crit, ça passait nickel normalement même. Je pensais que c'est point éclair aussi, c'était pas Fatal Food ou Tonnerre, il n'y avait pas forcément beaucoup de puissance dedans. Donc bon. Toi, j'ai effacé de mon téléphone à un moment. Bah, après le combat, en fait. Quand on aura vol, qu'on ira faire le combat, et ben. Il est effacé complètement du Pokématos, là. Du téléphone, ça commence à m'énerver que ça m'appelle. Je l'ai pris par hasard, je l'ai pris sans le faire exprès, le numéro, et. Voilà, quoi. Attention à Ultra Laser! Et flinch. Alors, pourquoi l'autre n'a pas fait ça avant? Hein? Peut-être parce qu'il a vite que Ultra Laser Kill, c'est pour ça. Le double flinch qui sauve Draco là. Le flinch sur Kangourex et le flinch sur Dunsparce. Et c'est cadeau hein, c'est Noël. Enfin, Noël était dans le coin.
Meganium. Meganium Boom. Mega Boom. Très con quand même. Ah non. Ah mais tous les évolutions finales de starter ont colère ou quoi? Ça se passe comment? Typhlosion et Meganium colère? Toi t'as rien toi. Donc sport et puis on va switch. Dragoa, Asdos, doublement super efficace. Ça va aider un petit peu. Oh, le dab! Non, pardon. Le chaos tout court. Cracrabaf. Good. J'ai esquivé vent glacé, ça c'est bon. Psychic, hein? Ok. Si tu veux. Comment il l'a vu venir. Les locus qui auraient été intéressants là. Pour le coup. Perdu. Yes. Got him. Je peux pas faire ça, ça c'est bien, ok. Bah du coup oui, Loclash, forcément. Ça c'est un des rares cas où j'ai envie de dire Loclash. Parce qu'il y a que Surf qui peut le toucher et... Il y a qu'une attaque de type eau qui peut le toucher. Si j'avais Buldo sur quelqu'un, genre Draco, j'enverrais Draco. J'aurais laissé Draco, j'aurais fait Buldo, mais bon. Youpi!
la 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 la. Ah, les poutous. Il a la trouille. Il a pas mangé de douille. L'énergie presque dead. C'est vrai, Stereo Ultima Washi. Et c'est vrai que j'avais Fatal Four et que j'ai pas cliqué dessus. J'ai oublié, ça arrive. Alors, je crois pas qu'il y ait de dresseur là-haut. J'aurais dû prendre des repos. Si je voulais voir les pokés qu'il y avait, ça se trouve, on aurait pu croiser un Fabuloux ou quelque chose comme ça. Ah bah non. On a que de la bouse. Mais pourquoi tout le monde a un sporang aussi? Oh. McPunch. McPunch. Tiens. Ah, il y avait tant de personnes que ça que j'avais évité. Eh ben. Dracao. Ah. Next. Oh non, pas zéro. Merci, bitrate. Non, pas zéro. Remonte. Merci. J'ai bien fait de pas switcher sur Raichu. C'est bon, tu... Merci. La 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 la
Tigré, ben moi aussi. J'arrête pas de bailler. C'est la seule fois que j'ai vu tout le trajet, lui. Ok, il y a peut-être un ou deux dresseurs à louper. C'est possible, mais bienvenue à Irisia. Après avoir traversé l'océan, bon, trois quarts d'heure rien. Non, je déconne. Ok. Deux missions ici, faire l'arène de Chuck et récupérer Grol, plus récupérer la potion secrète que j'allais chercher immédiatement. Pour Fari. Voilà, maintenant on est parti. Direction l'arène. C'est bon que j'ai rentré les bouquets tout le long du chemin parce que vous voyez ils sont niveau 27 en face quand même. Il serait pas niveau 27 si j'avais pas fait l'autre section avant aussi, je pense. Ok. Got him. Ta ta da da. Da 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 da. Coup de boule. Mettre des coups de boule.
you go to sleep. Bon, maintenant, on va essayer de le battre. Makes sense. Ok, c'est le score, ok, bonne nuit, ok, d'accord. Oh. Je regarde un petit peu les trucs pour le foot aussi. C'est la Coupe de France. Le score d'Angers est mené 2-0 par des pensionnaires de National 3. Donc, si vous êtes fan du SCO d'Angers, mes condoléances pour l'instant. L'équipe a fait de la bouse, on prend un mi-temps. Ah, peut-être qu'il se réveille en seconde. Apparemment, c'est pas les mêmes. C'est pas les seuls, pardon. Mais quel légendaire nous manque-t-il d'avoir? Suicune et Lugia. C'est les deux qui manquent. Parce qu'on a eu Raikou tout à l'heure pendant qu'on se promenait dans l'océan, donc... Allez. C'est parti pour Chuck, dit Chuck Norris. Ou plutôt Anne Director, apparemment. Malheureusement pour lui. Et il commence avec un 6 Ajax. C'est un magnifique combat qui s'annonce. Avec 0 Pokémon super efficace sur 6 Ajax, déjà pour commencer. Euh...
Bon, allez, le classe, il est niveau 30. Ça m'ennuie un peu, mais bon. J'ai que ça. Pour gérer 6 Aiox pour l'instant. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est pas super efficace. Et je le sais en plus. Moi, être bête. J'hésitais entre surf et laser glass. Bon, on aura sûrement le temps de faire Jasmine, Hugo. Y'a pas de soucis. J'avais pas fail avec le repère roquette, on aurait large le temps de faire Jasmine, mais. Un peu fail avec le repère roquette la dernière fois, donc. J'avoue que j'étais pas tout en haut. Quoi encore un laser glace dans le banc. I'm getting axed. Allez, double flinch. Ok. Ah, ce bon vieux double flinch. Non, non, c'est pas dynamo point. J'ai gagné la CS02. Alors, on a tout fait ici, on peut repartir. À Olyville, avec vol. Et battre Jasmine, parce que pourquoi pas. Ok. Ah, il est canon, pourquoi pas. C'est encore plus, c'est encore moins précis que... Quelque machin. Hip attaque. Draco fait sens. Ah, regardez, c'était. Ah, et les canons. Ouragan. Ah. Draco fait sens pour apprendre vol parce que. Parce que Dracolos, mais. Allez, on est reparti en direction du phare. Et ça sera le dernier combat de la journée. On arrêtera après. Je m'envolerai vers Doublonville et puis on arrêtera devant la tour radio. Tout le monde sait que la Team Rocket va attaquer après que j'ai ce badge là. Donc on fera la section Team Rocket plus la cave de glace, la cave gelée, je sais plus comment elle s'appelle en français, et Ebenel en... La prochaine fois, vu que j'ai vol, peut-être que je profiterai juste avant à Doublonville pour aller chercher le multi-exp, multi-exp qui sera très très utile du coup, potentiellement. Et nous allons à l'arène. On va promener le multi-exp de Pokémon en Pokémon quand on fera du PEX. Mais
Et on verra. Allez, ouais, Verdi. Dernier combat de journée, après on va chercher le multiplex. Et on pourra sauvegarder et aller se coucher. Non, je déconne, il est 18h30 quasiment. On va pas aller se coucher. Mais on arrêtera le stream. En parlant d'aller se coucher, dodo, il me reste. Raichu bénéficierait bien de Foilian par exemple en attendant d'avoir un move de type électrique, mais bon. Oh, il est pas super efficace. J'ai personne qui vole. Non. Et le clash, comme d'habitude, quand on sait pas. Il est vrai que je pourrais switch là-dessus. On aurait quoi plus efficace? Je switch si je tombe confus. Il va falloir m'expliquer en quoi ça c'est avantageux de faire ça maintenant, mais t'aurais pu le faire avant. Ou pas le faire du tout. Oh oh. Oh no. Connu bidon into brouillard, lol. Into ultrason, donc t'as aucune attaque en fait. C'est ce que t'es en train de me dire. T'as fait connu bidon pour rien. Il a rien. What? C'est quoi ce Zumarine? Cogno bidon, relais, ultrason. Ah, en fait, il n'y a pas d'attaque. Il ne peut pas me toucher en fait. Bizarre. Je vais pas dire merci à du FreePex, mais bon. Free XP. Mais... Team Rocket. Alors vu que le multipex est du côté de la route 32, on va pouvoir se faire ce combat et supprimer ce qui cavole déjà. Draco. Et supprimer le numéro de téléphone qu'on soit pas dérangé. Et après on fera un double envie et on sauvegardera dans la tour radio bien sûr. D'abord le multiplex et après la tour, le combat et après la tour radio. Je vais peut-être attraper quelques objets aussi qui traînent grâce à Surf notamment.
J'ai mis ça par ça, ouais. Si on a quelqu'un qui est un peu en retard dans l'équipe parce qu'il a pas tapé depuis un petit moment, on lui mettra le multi-XP et il gagnera de l'XP tout seul. Pour l'instant, l'équipe est à peu près équilibrée, ils sont à peu près tous au niveau 27-30. Donc là, c'est un peu devant, mais. Normal, il y a des moments, je sais pas qui mettre. Je suis personne pour gérer certains pokés. Donc du coup. Le classe y part puisqu'il est plus haut que tout le monde. Donc forcément. Non, une corde sortie, ça peut être utile. Pour rien, mais ça peut être. Alors, récupérer 3-4 objets et on va aller se faire ce combat. Une paix vite, et ça c'est bon. Vous savez quoi? On va retarder un tout petit peu le combat. Je viens d'avoir une idée. Et chercher cet objet là aussi. Tant qu'à faire. Donc on est à courir partout pour les objets. Ah. Ronette. Voilà. C'est pas les seuls objets que vous pouvez attraper. Il y a d'ailleurs l'objet du côté de Doublonville, mais on va s'occuper du combat. On ira à Doublonville récupérer l'objet en question. Le ou les objets, je sais plus s'il n'y en a pas un autre sur l'autre route. Et on sauvegardera devant la tour radio pour la prochaine fois. J'ai fait Bomber, bon, c'est pas grave. La dernière fois que je me bats contre elle, hein. J'en ai marre. 19. Ah oui, il a deux attaques de type normal. J'attends juste qu'il apprenne quelque chose d'intéressant. C'est qui le dernier ? Oh non, pas plaquage. Ah marre.
28. Voilà. Ça sera plus trop dérangé. Direction Doublonville. Et je crois qu'il y a deux spots où on peut attraper quelque chose, des combats ou des objets. Il me semble. Il y a au moins un spot où il y a une baie, c'est sûr. Et je crois que dans Crystal, il y a un autre spot où on peut avoir quelques combats. Je sais pas si là, il y a des combats dans celui-là. On avait vu. Un monsieur mime. Nosferatu. Nosferatu. Trois combats, parfait. Encore un peu de pex. Faisons légèrement en retard. Ah, caillou à la trouille. Oh, you is dead. Ben le voilà. Il manque plus que celui qui a une. Pourquoi j'ai fait ça? Je vais faire un combat, ouais. Faut que je le fasse. Ah si, je peux. Voilà. Comme ça, on s'ennuiera plus avec. Avec Glad Soin. Suis-cune. Oh.
Ah, on aurait bien avancé, hein? Pour apexer en paix, un petit peu, notamment pour, je pense, je vais dire Kaiminus, oui, c'est ce qu'il y avait en face, pour Typhlosion qui a absolument rien en attaque. Elle donne du sable doux. Voilà. C'était les derniers combats qu'elle a à faire, normalement. On est aussi pexé qu'on pourrait l'être à ce moment-là. Je vais juste faire deux choses. Ah bah je peux pas faire la deuxième. Si, en arrivant par le souterrain, je pense. Récupérer une baie mystère. C'est juste pour te donner un aperçu de l'heure. Ok, d'accord. Récupérer la baie mystère, on va lui récupérer un petit. Petite chose. Ah, il me faut une place. Ah, il me faut une place. Ah, il me faut une place. Bon, c'est pas grave. Faisons, il ira dans le PC pour l'instant. Attends d'aller chercher Evoli. Du coup. Parce qu'à part coup, si Faisons n'a pas grand chose en fait. Donc. Du coup, s'il n'y avait rien à couper, Typhlosion ne sert à rien. Il sert vraiment à rien, bon coup. Tant que je suis là, je vais soigner le monde, ça fait. Et si... ce qui m'ennuie, c'est de se débarrasser de Loclas. Mais Loclas, il est lent. Si on peut avoir un Pokémon assez rapide à sa place, ça peut être sympa. Mais bon, le class nous sert beaucoup et c'est ça le truc. Et effectivement, si je peux faire évoluer, évoluer en Aqualie, parce que j'ai gardé la Pierrot, elle est dans le PC simplement. Azumarine. Ok. C'est pas mal. Azumarine niveau 20. Détritus connu bidon brouillard relais. Bon, en lui mettant un peu surf, notamment. Il serait très bon. Mais bon. Je crois pas qu'il soit. Je sais pas si Loclas c'est pas un peu plus rapide, mais. Mais bon. Toujours plaisir de récupérer un Zévoli. Allez chercher Typhlosion et on est bon. Enfin, un Zévoli.
Nazumari, my bad. Pourquoi j'hésite vraiment à me débarrasser de Loclas, parce que lui a point glace surf feu sacré, ça peut être sympa. Faut juste le faire level up. J'ai le multi-exp. Vous allez dire, pendant un petit moment, j'ai personne, et lui est plus rapide par contre à terme. Donc allez. Allez, on va dire au revoir à Loclas. On va le garder dans le PC, hein, mais... Au revoir à Loclas si on va aller chercher... Crocodile qui n'aura pas d'attaque électrique, mais on s'en fiche. C'est pas trop grave. On va faire deux choses avec Crocodile, lui apprendre surf. Du coup... On pourra lui faire apprendre les canons, mais bon. Je vais faire un grand surf, il y a quelque chose d'assez costaud quand même au niveau d'attaque. À la place de, disons, vent glace par exemple. Je regarde s'il n'y a pas autre chose qui serait intéressant pour lui là. Bulldo, bof. Non, il n'y a rien. Foyane serait pas mal parce qu'il est orienté physique aussi un petit peu, mais bon. Et on va lui équiper le multipex, comme je l'appelle. Pour qu'il level up en arrière-plan de tout le monde. Et il est vrai que j'aurais dû me décider avant, mais bon. Ah, jamais trop tard. Je veux dire, Team Rocket est niveau 20. Ça va, il y a le temps de le faire monter le niveau de level. Et on va se péter ici. Et on va sauvegarder. Et la Team Rocket, ça sera pour la prochaine fois. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est pas que je vous aime pas. Il va falloir que j'aille préparer à manger, il est presque 7 heures. Et ouais, alors peut-être après manger, peut-être vers 21h, on aura un autre stream. Vous voyez par là. Mais sur ce, bonne fin de dimanche. Espérant que vous ayez de la chance la semaine prochaine également. Et oui, bonne soirée. Allez, filez.